Notre dernier orateur pour cette conférence sera Noam Galia Moshkovitz, qui fait partie du campus de Pellar, mère de 3 enfants, une enseignante de 9e degré, qui a l'université de Haïfa, du cercle familial de la sphère publique, l'activité des... Le sujet parle de la position des femmes dans le joint et de l'organisation juive entre les années 1938 et 1943. Elle va nous parler sur le sujet des familles Rina du cercle familial à la sphère publique, l'activité des femmes dans l'organisation d'aide en temps de guerre, en tant que catalyseur du leadership social. Vous m'entendez? Bonjour à tous. Je m'appelle Noam Gal Moshkovitz. Je suis très excité d'être là. Merci de m'avoir invité. Je fais partie des plus mineurs. Je viens de terminer la thèse. C'est vraiment un saut à l'eau pour moi. Toute critique sera constructive et significative pour moi. Merci. On a parlé beaucoup, surtout au début, dans pourquoi on n'a pas parlé tellement de Hélène Benatar. On a surtout parlé de la vie des Juifs d'Afrique du Nord. Je pense qu'il y a aussi le facteur qui joue, qu'au fait que c'était une femme. J'ai bien étudié ce sujet. L'absence des femmes de l'histoire, même si elle faisait partie de beaucoup, c'était une grande partie, un grand facteur dans l'histoire. Je vais donner un aspect général de la position des femmes. Je vais plus vous prendre vers l'Amérique du Nord, des États-Unis. Il y a beaucoup de sujets importants, donc certaines femmes qui étaient dans toutes sortes d'organisations comme Benderli. Donc du cercle familial au cercle public, l'action des femmes dans des assistances, dans des organisations d'aide en temps de guerre qui ont permis une mobilité sociale. Donc comment ça a permis à des femmes de pouvoir sortir de la maison, même si à ce moment-là on était encore dans une mentalité qui soutenait que la femme devait être à la maison? Comment pouvoir faire sortir une femme vers l'espace public et comment leur permettre de pouvoir vraiment monter de niveau et d'atteindre d'autres fronts sur lesquels les femmes n'avaient pas leur place? Je vais vous donner un petit fond à peu près sur la perspective générale qu'il y avait à ce moment-là en Amérique, et ensuite on va rentrer dans le fond du sujet. Surtout par rapport au joint que j'ai étudié en profondeur en ce qui concerne la période de la guerre 33 à 39. Donc on est dans une période où on est encore vraiment dans une période où la communauté juive est beaucoup basée sur les valeurs de la famille et sur la division des genres. Donc il y a l'homme qui est à la maison et la femme qui doit être, l'homme qui doit travailler, la femme qui doit être à la maison. Les emplois des hommes ne sont pas les emplois des femmes et on ne se mélange pas. C'est vrai qu'il y a quand même des droits de vote pour les femmes, mais l'Amérique est quand même vraiment dans une crise financière. Donc les femmes, elles n'ont pas le temps ni la possibilité de pouvoir se libérer pour pouvoir s'occuper de sujets politiques. Ils sont vraiment occupés pour s'occuper de la maison. Les femmes juives avaient une double identité. Donc elles devaient supporter aussi le fait qu'elles étaient juives, parce qu'à ce moment-là, il y avait encore beaucoup de facteurs antisémites, que ce soit par rapport à la société générale, et même en tant que juives, il y a la tradition et la religion qui leur mettaient certaines barrières et certaines limites. Beaucoup de ces femmes aussi étaient des femmes qui étaient des premières générations ou des deuxièmes générations d'immigrés, donc ils devaient aussi ils avaient cette épreuve aussi de devoir s'intégrer au sein de la communauté américaine. Les femmes juives, dans cette période, on sait bien qu'elles voyaient les études comme quelque chose de vraiment loin. Elles voyaient ça comme quelque chose de très important. Elles allaient faire des études, mais si elles travaillaient, c'était que jusqu'à leur mariage, parce qu'après, elles devaient s'occuper de leur famille. Que ce soit les femmes américaines ou juives,
elles sont quand même dans un... Ce qui est important pour elles à ce stade-là, c'est vraiment la famille et la société. Et toute personne qui va sortir de ce cadre est vue comme différente. Et même les femmes qui travaillent à temps partiel. Et si vraiment une femme est vraiment dans un statut élevé, alors elle est chef d'entreprise. Et si elle est dans une classe moyenne, une classe basse, alors la femme doit gérer sa famille et donc elle a beaucoup moins de temps pour travailler. Donc, dans tout ça, on peut voir à ce moment-là l'organisme des femmes qui sort vers le 19e siècle, des femmes juives, donc des femmes plus ou moins stables, qui montent des organismes de femmes qui ont pour but vraiment d'agir en dehors de la maison. Les femmes juives ne peuvent pas se joindre à ça parce que c'est des organismes chrétiens, donc ils créent leur propre campagne. Donc, on a Hebrew Ladies Benevolent Society, on a toutes sortes de sociétés qui se montent, d'organismes qui se montent, qui permettent aux femmes de pouvoir... Donc c'est des choses qui quand même rejoignent le domaine dans lequel les femmes elles travaillent, puisque ça parle donc ça concerne l'aide à la maison, etc. Il y a des femmes qui travaillent depuis dans des maisons ou dans leur maison pour pouvoir faire du nettoyage, et donc ils sont payés pour ça, et après ils ont du temps pour pouvoir aller travailler à l'heure. Donc ça, c'est des sujets qui concernent des sujets qui se sont liés aux femmes, et avec le temps ça va et ça s'élargit en vérité. Et grâce à ça, en fait, ça permet aux femmes de pouvoir laisser sortir de l'espace personnel vers un espace public. Je vais donner un exemple de deux organismes que j'ai même touché dans mes études. Le Moatzat Hayehudiot, donc Hadassa, donc ces deux organismes qui ont été cités, ils touchent des femmes qui sont à la base avec un statut élevé financièrement. Ça, c'est des choses qui vont s'orienter vers des sujets qui concernent les femmes, donc la santé, l'aide à la maison, la culture, la médecine et l'aide aux orphelins et aux femmes. Et ça commence par des organismes locaux qui, avec le temps, deviennent vraiment des infrastructures grandes avec beaucoup d'envergure. Et c'est des femmes qui les gèrent, contrairement à ce que d'habitude, c'est pas les femmes qui gèrent les grandes entreprises. Là, c'est vraiment les femmes qui ont sang à la tête, que ce soit les campagnes financières, les appels aux dons, etc. Et ça permet, en fait, à beaucoup de femmes de pouvoir arriver à des statuts que normalement une femme ne peut pas avoir atteint, ne peut pas atteindre ce niveau. Grâce à ça, et ça leur permet d'avoir une expérience financière, politique. Donc, par exemple, les deux femmes qu'on voit ici, que ce soit Rien Tassol, qui on n'a pas besoin de présenter, qui a atteint un statut très élevé, et Tilly Rezovaski, qui a vraiment fait avancer ce niveau-là de permettre aux gens de pouvoir, aux réfugiés, et les gens qui venaient d'Allemagne et d'Autriche, de pouvoir obtenir un statut plus élevé. Et ça permet aux femmes, grâce à ça, d'atteindre vraiment des endroits très élevés et de se spécialiser dans des domaines dans lesquels elles se retrouvent. En temps de guerre, il y a eu un changement, il y a eu un genre de tremblement de terre dans la société américaine. C'était une situation d'urgence, en fait, ça a un peu préparer le terrain pour un changement pour les femmes. On a fait un appel aux femmes de sortir et de mettre leurs compétences au profit du gouvernement. Les femmes ont beaucoup apprécié cet appel. On connaît ce poster là de Rosie Desiviter ou Rosie, je sais pas comment on dit, qui we can do it. En fait, voilà, les femmes sont aussi capables d'agir. Ça leur donnait des emplois, des nouveaux emplois, des nouvelles payes, des nouveaux salaires, et ça leur donnait en fait une opportunité de pouvoir grandir. Il y a beaucoup de femmes qui se joignent à l'armée. Alors bon, c'est pas des soldats de l'armée, voilà, mais ils sont là en tant que soutien pour les hommes qui combattent. Mais on voit comme quoi les femmes, elles avancent vraiment et elles prennent des initiatives. Elles deviennent là pour assister, pour aider dans tout ce qui est lié à l'armée. Donc ça, voilà, les femmes, elles font comme une genre de sortie, elles sortent de leur maison et elles prennent une position différente de ce qu'elles avaient jusqu'à maintenant. On est à peu près au niveau de la Deuxième Guerre mondiale, et c'est vers cette période-là que les femmes sortent à la guerre.
la comparaison, il semblerait qu'à ce moment-là, il y a eu vraiment une révolution chez les femmes. C'était quelque chose de très temporaire et la société a fait bien passer le message comme quoi les femmes nous aident tant qu'il y a besoin, mais dès qu'il faudra, vous rentrerez chez vous et ça sera terminé, vous pourrez plus, vous retournerez à la cuisine. Et c'est vraiment ce qui s'est passé vers la fin des années 40, des années 50. Voilà, ça ne va pas aboutir. Et là, vers les années 50-60, alors là, il y a vraiment quelque chose qui se crée. Et c'est donc à ce moment-là les Juifs que les femmes elles se mettent à l'action, parce qu'il faut s'occuper des Juifs d'Europe, et les Juifs qui ont les survivants de la guerre. Et donc, le gouvernement américain ne décide de pas se mêler à ça. Et donc, les femmes décident de prendre part à la communauté juive et à aider les réfugiés, aider les orphelins, les immigrés et tout ce qui en concerne l'importation de produits qui venaient d'Allemagne. Donc les femmes, elles faisaient des choses qui... Elles manifestaient, par exemple, comme vous pouvez voir sur la photo. Les femmes essayaient de trouver un moyen pour agir et trouver leur place dans les organismes pour les femmes. L'organisme d'aide le plus essentiel, c'était donc le Joint. Le Joint, il a été monté en 1914, juste après que la Première Guerre mondiale ait éclaté. C'était une manière d'aider les femmes juives, de donner aux femmes une opportunité pour aider les personnes. Donc l'organisme va faire le maximum pour... Donc, c'était vraiment... Donc, à la base, c'était un organisme d'urgence, mais on l'a transformé en organisme fixe parce qu'on a compris le besoin pour aider les femmes tout autour dans le monde. Et jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs, cet organisme existe, le Joint. C'est important de le dire, et on l'a dit au début, il y a des femmes qui s'y trouvent dans le Joint depuis le début, peut-être pas autant que les femmes, pas autant que les hommes, mais en tout cas, il y a toujours eu des femmes dans le Joint. Et on voit qu'elles ont toujours été investies dans certaines choses, et elles ont vraiment agi d'une manière qui a cassé un peu toutes les barrières qu'il y avait sur les femmes à ce moment-là. Et ça les a fait passer vers un bon avancé par rapport à ce qu'ils étaient. Donc ça les a rendus en titulaires du jeu. On a trouvé trois sortes de femmes qu'on pouvait voir qui travaillaient dans le Joint depuis, qui travaillaient depuis le début. Donc la première groupe, le premier groupe, c'est les métiers que les femmes faisaient. Donc on peut prendre l'exemple de Buchmann, qui était une femme qui était juive à la base, qui était dans une famille orthodoxe. Sa petite fille, elle nous raconte qu'elle a grandi dans une famille qui était à la base contre l'éducation féminine. Elle s'est combattue, elle a terminé le collège, elle a étudié les études sociales, et elle s'est elle-même elle a avancé, elle a travaillé de la meilleure comme elle pouvait. Elle a commencé à travailler à la base dans le Joint comme une secrétaire. Et plus tard, elle a eu un enfant. Ça faisait déjà depuis 30 ans qu'elle travaillait en tant que secrétaire dans le Joint. Et puis après, elle a aidé les comités qui travaillaient avec la Pologne. Elle était en lien avec des centaines d'institutions tout au long de toutes parts dans l'Europe, et même pendant la guerre. On voit son nom partout dans les protocoles, dans les débats. Elle s'y trouve, et elle n'était pas. C'était pas une directrice. Elle sortait pas dans les statuts les plus essentiels, mais elle était là. Je vais lire une des choses, parmi les dires qui lui ont été dit lorsqu'elle a dû quitter le Joint. Donc on lui a dit, on a écrit sur elle qu'elle a été absolument dégourdie. Et elle a fait son maximum et le maximum d'efforts pour participer et améliorer la situation au sein du Joint. Et tous ces efforts ont apporté beaucoup de satisfaction. Donc on voit qu'elle a vraiment fait partie du Joint, mais elle était toujours derrière les rideaux. C'est un prototype de femmes qui ont fait partie de ça aussi, de ce genre de femmes, mais elles ont toutes disparu dans l'histoire. Mais en général, ce genre de femmes, elles étaient assez jeunes, c'était des personnes qui avaient des métiers plutôt simples, et elles rentraient dans le marché du travail à la base d'une manière assez indépendante et simple, et elle travaille jusqu'à la retraite, ce qui était à la base très rare pour des femmes de travailler si longtemps.
Et c'est des femmes qui, derrière la scène, quand on recherche un peu dans les documents et dans les archives, on va vraiment les voir, on va voir qu'elles sont éparpillées partout et qu'elles n'étaient pas dans le front, elles n'étaient pas devant, mais elles agissaient en faveur des autres femmes. Une deuxième sorte de personnes, c'est des femmes avec des rôles représentatifs. Donc on va prendre l'exemple d'une femme qui fait partie de la famille des fondateurs du joint. C'est des gens qui viennent d'une famille aisée d'Allemagne. Elle a grandi dans une famille avec une tradition de femmes qui allaient travailler, qui étaient bénévoles. Depuis 1910, elle a étudié au collège. Elle avait l'intention d'étudier dans les études sociales. Finalement, elle s'est mariée et elle a abandonné les études. Et en fait, elle nous raconte son rapport avec le joint. Elle dit qu'il y avait une réunion. Il y avait une réunion dans la maison de mon père qui était là pour ramasser de l'argent, et on m'a demandé est-ce que tu penses que les enfants jeunes peuvent se joindre à de telles actions pour aider les enfants allemands qui ne peuvent pas étudier au collège. Et moi j'ai dit oui. Et l'année d'après, au lieu d'aller étudier les études sociales, je me suis joint au joint et j'ai créé l'institut pour le collège et pour les personnes qui se trouvent au collège. Et en fait, le joint a ouvert à ce genre de femmes une ouverture pour pouvoir trouver un travail et obtenir un niveau social assez élevé. Donc à la base, elle n'était pas du tout... c'était une femme simple et elle s'est retrouvée à faire des discours, à parler avec des étudiants. Elle revenait plein de... Elle avait une grande influence sur beaucoup de personnes, et on la voit investie et fait partie de plein de projets, et elle est impliquée dans beaucoup d'initiations. Et donc elle fait partie d'un milieu public où la femme a trouvé sa place, et donc dans le joint, elle fait partie d'un large groupe de personnes, en général des familles qui sont assez aisées dans le monde américain. Elles sont toutes du statut élevé et mariées assez jeunes, qui n'ont pas étudié des études supérieures, qui ont eu des enfants et qui sont mis à travailler dans toutes sortes d'organismes et directement après leur mariage. En bénévolat. Elles utilisaient leur nom pour faire avancer le statut de la femme, mais tout en restant dans les limites de ce qui est acceptable donc c'était simplement par leur capacité financière et par leurs moyens que ça leur permettait de pouvoir atteindre ce niveau-là. On voit vraiment que dans les archives, on les invite, on leur parle, elles font partie, elles partagent leur vie, leur famille avec les directeurs, etc. Les troisièmes sortes de femmes, c'est le troisième groupe, c'est des femmes qu'on a appelées des femmes qui avaient des métiers qui avaient un impact important sur la société. Donc, on va prendre l'exemple de Gertrude Finsky, qui a étudié au collège et au lycée et qui a terminé ses études supérieures, qui a travaillé en Amérique dans un organisme juif. Elle a eu beaucoup d'expérience pour travailler avec des réfugiés et des immigrés. On l'appelle toujours dans des cas similaires. On lui demande de partir pour aider dans l'Amérique du Sud. Donc elle a, les femmes qui étaient miliciers envoyées pour faire des missions, c'était très rare parce qu'à la base on n'envoyait pas les femmes étaient très limitées à ce moment-là. Elles n'avaient pas beaucoup de liberté. On les gardait, on les protégeait. Et donc envoyer une femme en Amérique, en Uruguay, ça s'est retrouvé là-bas avec beaucoup de réfugiés, beaucoup d'immigrés. Et on la voit vraiment briser toutes les barrières. Elle n'est plus du tout une aide sociale, elle fait partie maintenant de la direction, elle aide avec la politique sur place, elle est impliquée dans la politique, elle passe dans toute l'Amérique du Sud, dans toutes les communautés, et à la fin de la guerre, on la place en Hollande en tant que directrice du joint, et c'est là qu'elle vient pour aider les personnes, pour les réfugiés, les survivants de la Shoah. Elle est très admirée, malheureusement, elle est morte en 1946 dans une
un crash d'avion. Donc, il y a eu un congrès qui a été fait en sa mémoire. Après qu'elle a été tuée, il y a beaucoup de choses qui ont été dites à son propos. On s'est dit que c'était une femme juive qui n'avait pas peur de se balader seule malgré les différences, malgré ce qui n'était pas acceptable à ce moment-là. Elle a apporté son aide à tous les juifs d'Europe. Et j'ajoute ce qui est écrit sur la présentation, il n'y a eu aucune différence. Son apport et sa détermination était telle des jeunes qui devaient se sortir en guerre ou qui devaient se missionner pour faire des choses extraordinaires. Il y a d'autres femmes aussi qui avaient ce statut à peu près, donc des noms des femmes qui ont été nommées sur la représentation. On voit encore une fois ce type de femmes qui venaient avec des métiers, qui créent une carrière depuis leur plus jeune âge et qui après se joignent au joint. Comme on peut voir, Rose Rabinoff et Zelda Bobkin qui font partie, après se sont mis à voyager seules dans le monde entier pour être journalistes. Et ce sont des femmes qui, leur identité a été leur métier. Elles ne se sont pas mariées comme tout le monde, des fois elles étaient divorcées, des fois elles laissaient le marié tout seul, elles renonçaient à leur vie de mariage et leur vie de famille. La majorité, elles n'avaient même pas des enfants, elles ont renoncé à leurs enfants. Leur métier, c'était se battre pour leur identité, agir et faire le maximum pour... Elles font en général partie d'immigrés. Elles sont des immigrés en général et elles ont fait des études supérieures. On voit comment elles avancent, elles progressent dans le joint et on les prend différemment, on les voit différemment. Elles demandent une augmentation de salaire, elles demandent à changer des choses dans l'administration. Elles sont arrivées vraiment avec une base très significative et une confiance en eux. Donc pour terminer, pour résumer, j'ai un peu fait une comparaison entre les groupes. Est-ce que vraiment il y avait une opportunité pour les gens de grandir dans le joint ou est-ce que les femmes elles étaient toujours en arrière? Alors il y avait plusieurs sortes de manières de connaître de grandir au sein du joint. Donc commençons par depuis le statut le plus bas et jusqu'au plus élevé. Donc le premier groupe, donc des femmes qui, même si elles travaillent, elles sont quand même dans des travaux, des emplois qui sont adaptés aux femmes. Elles restent toujours en arrière. Elles ne prennent pas de place en avant, même si elles le mériteraient vraiment, mais elles gardent leur statut social normal. Et après, d'un autre côté, les femmes qui sont dans statut élevé, des femmes dans leur statut, qui font des choses qui sont plus ou moins acceptables dans la société. Mais ces femmes-là, grâce à leur contact, arrivent à créer, à faire des changements et à changer les choses. Et elles prennent des initiatives et elles écrivent des choses et elles parlent de ce qui tient à cœur pour eux. Et donc elles sont peut-être pas à la place d'un homme, mais elles ont quand même et ça pourquoi? Parce qu'en fait elles avaient une aide à la maison, ils avaient de l'argent, donc ils n'avaient pas besoin de passer leur temps à s'occuper de la famille, et c'est pour ça qu'ils ont pu prendre cette place. Là où les femmes n'ont pas pu avancer, c'est là où est-ce qu'ils étaient obligés de d'être limités à leur vie de famille selon ce que la société leur impliquait, et là donc c'était compliqué. Mais on voit le groupe numéro 3 qui lui est vraiment, sort vraiment du lot par la capacité à donner aux femmes la possibilité de pouvoir sortir du cadre vraiment. Et on voit là des femmes qui ont pris une position de personnes qui influencent. Elles veulent faire partie des événements historiques et c'est pour ça qu'elles restent dans le joint. Et quand ça marche plus, alors elles sortent du joint, elles vont travailler ailleurs. Mais on voit comment ce groupe, dans ce troisième groupe, on voit des femmes qui avaient vraiment une mission, ils avaient une mission et qu'ils allaient avec jusqu'au bout et qu'ils grandissaient avec. Et elles ont fait des choses que les femmes ne faisaient pas jusqu'à ce moment-là. Ce que je pense, c'est un peu, c'est que le fait de sortir de l'Amérique, de cette petite conditionnement familial et d'aller dans des endroits où ils se sont retrouvés seuls avec des réfugiés, avec des immigrés, ça leur a permis de faire ce qu'elles voulaient et en fait de se développer. Et on voit comment elles développent leurs compétences et elles ont réussi à se faire admirer
dans la société. Donc, pour résumer, est-ce qu'on a vraiment une mobilité sociale? Donc oui, dans certaines conditions, ces assistants, ces organismes d'aide ont permis aux femmes de pouvoir prendre l'avant et grandir. On voit que dans les organismes de femmes, même si c'était un peu limité, il y a quand même des femmes qui ont trouvé leur place, qui ont grandi à un statut, à des positions très élevées. Donc les organismes de femmes d'un autre côté ne sortaient pas beaucoup d'Amérique. On n'envoyait pas de femmes, on n'émissionnait pas des femmes en dehors d'Amérique, et ça c'est le joint qui le faisait. D'autre part, une femme qui était dans le joint pouvait recevoir une place dans le front, une place en avant, et c'était vraiment donc ça leur permettait une activité vraiment significative et représentative. En ce qui concerne aussi les métiers des femmes, on voit qu'au moment de la guerre, les métiers des femmes sont devenus essentiels pour pouvoir aider les réfugiés et les immigrés. Et donc là, d'un coup, on a commencé à voir comment les femmes étaient essentielles et indispensables. C'est pour ça qu'on a envoyé Oz Rabinoff et Boaz Margolief et même Gertrude Lupinski pour les envoyer dans le monde entier pour aider les réfugiés. Donc c'était un peu ce qui a permis de les faire sauter et les faire changer de statut. C'est de là qu'elles ont vraiment trouvé leur voie. Évidemment, le catastrophe de la guerre a permis un peu au moment où les communautés juives étaient un peu mélangées et pas organisées, ça a permis aux femmes de trouver leur place. Et également le fait que ce soit du bénévolat et donc pas que ce soit quelque chose d'officiel avec des heures fixes, mais vraiment des choses qui venaient de leur bonne volonté, ça permettait aux femmes en fait de sortir du cadre et sans que ça puisse leur faire payer un prix au niveau de la société. Donc j'aimerais lire la dernière citation de Aaron Margolis. Si j'étais un homme, j'aurais rejoint le navy, l'armée, et j'aurais vu la marine, et j'aurais vu le monde en tant que femme. Mais maintenant que je suis une femme, je me suis joint au joint. J'ai du mal sur celle-là. I would like to thank the panel for their enlightening papers. Je vais remercier les membres du panel. Je dois dire que la contribution des membres de ce panel nous ont mieux fait connaître Hélène Cazès-Benatar et puis aussi de toutes les femmes qui ont travaillé dans ces organisations philanthropiques et de bénévoles à l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Et nous avons maintenant aussi des données sur l'époux de Hélène Cazès-Benatar qui l'a aidée et nous ne connaissions pas ou très peu le travail de Benderli, et grâce à ce panel, nous la connaissons.